Salut à tous les fans de Tesla, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec les délires de la V11. Maintenant, pour mettre les sièges chauffants à l'avant, il va falloir aller farfouiller dans la ventilation. Donc, allumer la ventilation, puis appuyer de nouveau. Et c'est là que vous allez retrouver vos sièges chauffants. Mais est-ce que les sièges chauffants fonctionnent même sans ventile? Donc après avoir testé, oui. Mais c'est pas très logique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'active la ventilation, que je mette mes sièges chauffants et qu'ensuite je désactive la ventilation et j'ai aucun moyen, aucun témoin qui me le dit. Mais en tout cas, vos sièges chauffent quand même. Pas très pratique, pas très intuitif quand même. Allez, on peut mieux faire. Vivement la nouvelle mise à jour.